こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 24 novembre 2022, un homme de 73 ans mourait dans un hôpital périphérique du sud de Tokyo, emporté par une pneumonie. L'homme de constitution fragile et jamais remis d'un AVC était pourtant considéré comme un monstre terrifiant par une grande partie de l'humanité. Cet homme au regard improbable s'appelait Sagawa Issei, et vous l'avez certainement connu sous le nom que la presse française lui avait donné en 1981, le Japonais cannibale. Celui que la presse japonaise appelait « écrivain » depuis la sortie de ses livres dans les années 90 et 2000 avait défrayé les chroniques criminelles du monde entier en abattant une camarade de classe hollandaise alors qu'il faisait ses études en France et en dévorant une partie de son corps avant d'être arrêté par la police française, considéré comme fou et renvoyé au Japon où il ne fera pas un jour de prison. Puis il prendra la plume pour raconter son crime et d'autres fantasmes avant de devenir une icône de la subculture japonaise et le chouchou des fans de serial killer culture du monde entier. Je ne vous en dis pas plus sur son compte, pour l'instant préparons depuis longtemps un long dossier à son sujet. Il a été inhumé en comité réduit avec sa seule famille proche dans un cimetière de Kawasaki dont l'emplacement n'a pas été divulgué par cette même famille. Quoi que l'on pense de l'individu, il avait marqué son temps et tout un pan de cette contre-culture morbide, aujourd'hui reprise et exploitée par les grandes compagnies de médias sans que cela ne choque plus de bourgeois pour un sou. Le 2 décembre dernier, un bras de fer s'engageait entre Murata Harukaze, maire de Susuno dans la préfecture de Shizuoka, et Sakurai Toshihiko, directrice de la maternelle Sakura, sous les projecteurs depuis l'arrestation de trois de ses maîtresses d'école pour violence et actes de barbarie sur des enfants de 1 à 5 ans. La mère accuse avec raison, visiblement, et au vu des dossiers qui ressortent jour après jour, l'école de couvrir ses professeurs dans le cadre de violences éducatives répétées dont une quinzaine fait l'objet de plaintes. Les trois éducatrices mises en cause auraient giflé les enfants régulièrement lorsqu'ils prenaient la parole alors qu'ils n'y étaient pas invités, leur auraient écrasé les pieds avec les leurs lorsqu'ils ne voulaient pas s'asseoir et pendu par les pieds tout en les giflant pour, disait-elle, leur apprendre le respect et la discipline. Les enfants terrorisés n'osaient pas en parler à leurs parents, mais certains qui commençaient à développer des pathologies ont attiré l'attention des services éducatifs de contrôle via les familles. Invoquant la confidentialité absolue des documents et des pratiques pédagogiques, la directrice Sakurai avait donné une conférence de presse le 30 novembre pour expliquer sa position et protéger ses employés via des clauses de confidentialité signées quelques semaines avant, comme pour couvrir d'éventuelles fautes à venir. Une réunion de tous les directeurs de maternelle de la ville, sauf celle gérée par le même groupe que l'école Sakura, a abouti sur une consolidation de la charte et de l'abandon des anciennes méthodes de discipline. Nomura Yuki, 43 ans, directrice de la maternelle Hidamari, choquée et révoltée par ces pratiques, a proposé d'accueillir les enfants victimes de ces violences. Les institutrices mises en examen risquent la perte de leur diplôme et de leur agrément, une forte amende et une peine de prison avec sursis pouvant aller jusqu'à 4 mois. Affaire à suivre. Le 1er décembre dernier, la cour de district de Osaka condamnait Adachi Akemi, 48 ans, à la prison à vie pour les meurtres de son père et de son frère en 2018. Petit rappel des faits. En janvier 2018, le père de l'accusé, Tomio, 67 ans, qui souffrait d'un cancer et de diabète chronique, mourait d'une surdose d'insuline, comme l'indiquera l'autopsie demandée par le médecin traitant, et non pas des suites de son cancer, comme l'affirmait la fille, en charge de son père et de son frère handicapé mental.
C'est le même frère, Masamitsu, 40 ans, qui rédigera des aveux complets dans lesquels il avouera avoir tué son père qui se suicidera en mars 2018, disculpant sa sœur, enfin pour quelques jours. La scientifique trouvera des doses massives de somnifères dans l'organisme du suicidé et des briquettes de charbon consumées dans la salle de bain où son corps avait été retrouvé trop tard d'après elle, par sa sœur. Ce faux suicide avait été percé à jour après une analyse de la lettre qui ne correspondait en rien à l'écriture très enfantine du frère, mais la sœur mise en examen juste après pour un double homicide aggravé fait toujours nier les faits, malgré une défense construite sur son mensonge initial de dévotion à sa famille et de sacrifice de sa propre vie pour celle de son père et de son frère. La très forte somme qu'elle devait recevoir des assurances vie et des projets d'installation au soleil avec un galon découvert par la partie civile n'ont pas plaidé en sa faveur. C'est donc la réclusion criminelle à perpétuité qui l'attend et pas les palmiers de Okinawa. Affaire classée. Le musicien Akiyama Kiro, 26 ans, de son vrai nom Arayuya, est connu pour ses musiques d'anime qu'il ne cesse d'enchaîner depuis que Sony Music l'a découvert sur YouTube avec ses vidéos à plusieurs millions de vues. Depuis, il a enchaîné les productions avec les génériques et musiques de The Promised Neverland, De l'autre côté du ciel et My Hero Academia. Le jeune prodige avait aussi un groupe de rock qui marchait plutôt bien et une addiction à l'alcool et aux médicaments certaines. Le 23 novembre dernier, sa compagne de 22 ans arrivait au commissariat de Yoyogi à Tokyo en sang et en pleurs et portait plainte contre lui pour violences répétées et viol. Le musicien, arrêté moins d'une heure plus tard, n'a pas nié les faits, mais évoqué ses addictions en réclamant le droit de se soigner et d'indemniser sa petite amie. Il a été laissé en liberté et est rentré en cure de désintoxication. Le procès pourrait ne pas avoir lieu car un arrangement financier est en cours entre l'avocat du musicien et celui de son ex-compagne et victime. Sony Music a publié un communiqué pour s'excuser auprès de la jeune femme du comportement de son artiste. Affaire à suivre. Le mois dernier, la police métropolitaine de Tokyo a arrêté le leader des QAnon japonais et entamé une vaste campagne d'arrestation dans les milieux complotistes et anti-vax du pays. La police préfectorale de Shizuoka a mis tout en place pour débusquer le quartier général du groupe local qui a posté des photos de leur attaque contre un centre de vaccination sur leur site internet à plusieurs reprises. Le 6 décembre, ces 8 membres connus du Yamatokyo, la branche dure du mouvement, qui étaient arrêtés pour avoir saccagé le centre vaccinal de Yaizu en mars dernier. Le groupe qui hurlait « la vaccination est un meurtre », eh oui, devant le centre de Fukuroi, empêchant les familles d'entrer faire vacciner à leurs enfants, est activement recherché, de même que 7 autres groupes actifs depuis 2020 sur les réseaux sociaux et devant les centres de vaccination. Yamatokyo, la branche japonaise du mouvement ultra-complotiste américain QAnon, a pris du poil de la bête depuis le début de la pandémie et compterait actuellement un millier de membres à travers tout le pays. Une bonne partie est fichée par la police et surveillée de près, mais un groupe d'activistes anti-vax reste encore actif et passe à travers les mailles du filet. Le groupe n'est pas actif que sur la désinformation vaccinale, mais aussi très présent sur le révisionnisme historique et la propagation des théories du complot les plus farfelues. Affaire à suivre. Le 24 novembre dernier, le Parlement refusait une nouvelle fois l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, refus qui fit l'objet d'un report des associations LGBT et de leurs avocats devant la Cour suprême et le Conseil constitutionnel pour en examiner la recevabilité. Malheureusement, ce recours a échoué et l'interdiction du mariage pour tous a été jugée conforme à la Constitution par les juges et les juristes. La constitution japonaise prévoit en effet que, je cite, « le mariage est un consentement légal entre un homme et une femme ». Le Japon avait été montré du doigt lors du dernier G7 pour être le dernier pays du groupe à interdire cette union et Joe Biden et Emmanuel Macron avaient longtemps parlé à Kishida Fumio pour tenter de le convaincre de l'urgence de cette loi, mais en vain.
Le premier ministre japonais reste un fervent opposant au mariage pour tous et aux associations LGBT en général, qui ne demandent pourtant que la reconnaissance de leur existence et de leur statut dans le pays. Mary Kay, la coordinatrice des associations lesbiennes du Japon, ancienne universitaire de Portland State aux États-Unis, a pris la tête des manifestations pour faire bouger les choses et forcer le gouvernement à légiférer sur le mariage pour tous dans un premier temps, mais aussi sur les droits LGBT au Japon. Pour l'heure, les avocats tentent d'attaquer le problème par la constitution et la loi et cherchent une brèche dans les textes pour faire adopter une loi que jamais les vieux élus conservateurs, qui constituent la majorité absolue à la Diète, ne voteront. Certes, l'article 24 de la Constitution stipule que le mariage doit être prononcé entre un homme et une femme, mais l'article 14 de cette même Constitution exige l'égalité entre les citoyens devant l'accès au mariage, ce qui exclurait de fait les couples du même sexe selon les légistes et deviendrait en partie anticonstitutionnel. Les associations incitent les aspirants aux épousailles à porter plainte à chaque fois qu'une mairie refusera une union de ce type, et depuis 2019, ce sont déjà 5 plaintes qui ont été portées par des couples gays pour refus de mariage à Tokyo, Osaka et Sapporo. L'accumulation de ces plaintes et leur représentation à la Cour suprême pourrait rendre non constitutionnel le refus d'union en vertu de l'article 14 sur l'égalité, et donc rendre le mariage pour tous légal sans avoir à passer par la case vote au Parlement. Les autorités religieuses bouddhistes sont aux côtés des parlementaires pour tenter d'empêcher ce qu'ils nomment, je cite, « une abomination contre nature » et font acte de propagande active auprès des familles depuis que la question des droits LGBT est arrivée dans la sphère publique il y a quelques années. Le Diminto, parti au pouvoir depuis presque toujours, et très conservateur, est également très opposé à ces réformes. Ceci dit, depuis 2015 et les décisions de mairies progressistes comme celle de Shibuya à Tokyo, des arrêtés municipaux autorisant une union civile entre personnes de même sexe ont vu le jour et c'est maintenant 245 municipalités, soit 60% de la population nationale, qui a accès à ce pacte civil d'union. Mais ce pacte ne garantit pas les mêmes droits qu'un mariage, notamment sur l'autorité parentale et l'héritage. Ogawa Yoko, activiste LGBT et plaignante dans un refus de mariage, espère que les consciences vont se réveiller car leur cause manque cruellement d'écho dans les médias, et surtout chez les politiques, même des partis plus progressistes, qui selon elle, je cite, « ne semblent pas avoir conscience de l'urgence d'une telle loi ». En octobre 2022, une équipe d'avocats américains et européens financée par un fonds international est arrivée à Tokyo pour aider les équipes japonaises à trouver la faille dans la loi et la constitution pour accélérer les choses. Ce problème toucherait plus de 4000 couples au Japon. Affaire à suivre. Le 30 novembre dernier, la cour de district de Shinjuku à Tokyo a accordé 970 000 yens, environ 6700 euros de dommages et intérêts, à une jeune femme de 23 ans pour son renvoi, jugé partiellement injustifié, de son emploi de professeure adjointe du lycée de Horikoshi en 2019. Ce qui avait causé cette éviction, eh bien une relation sentimentale avec un élève de terminale alors qu'elle était étudiante en troisième année et professeure adjointe, elle âgée de 21 ans et lui de 17 ans et quelques mois. Cette idylle était arrivée aux oreilles des professeurs puis du directeur de l'école qui, conformément au règlement intérieur de l'établissement, l'avait renvoyée. La jeune femme avait porté plainte et demandé 7 millions de yens de dommages et intérêts, soit environ 49 000 euros, pour licenciement abusif, et le procès qui s'en suivit fut une bataille d'experts pour tenter d'opposer le règlement intérieur du lycée et la loi japonaise. Le règlement interdit aux professeurs et personnel scolaire de fréquenter des élèves dans le cadre d'une relation amoureuse, mais la loi ne l'interdit en rien au regard de l'âge des deux parties, la majorité sexuelle de ce district étant fixée à 16 ans. Le juge Murata Kazuhiro a donc coupé la poire en deux et accordé une petite indemnité à la jeune femme, créant par là même une jurisprudence. Le 1er décembre, le sociologue de 63 ans, Miyada Ishinji, était attaqué à sa sortie de l'université métropolitaine de Tokyo où il est enseignant et recevait un fort coup derrière la tête puis plusieurs coups de couteau au niveau du cou, des épaules, de la poitrine et du flanc droit. Emmené d'urgence à l'hôpital, il a été traité pour ses blessures et ses jours ne sont plus en danger. L'agresseur, un homme d'une vingtaine d'années, d'environ 1m80 et portant masque et bonnet, a pris la fuite et n'a toujours pas été retrouvé.
Le professeur Miyadai, vous le connaissez peut-être car je le cite dans mes vidéos et articles sur la secte Aum Shinrikyo, dont il est l'un des spécialistes et sur laquelle il a longtemps enquêté dans le cadre de ses recherches et dans les parties civiles lors des procès des attentats de 1995. Cette attaque intervenait quelques semaines après la dissolution officielle de la secte par le gouvernement et la destruction des archives par un tribunal de Tokyo. Le professeur, qui a aussi beaucoup étudié les relations tarifées entre les jeunes filles japonaises et les messieurs fortunés, avait reçu des menaces d'anciens membres de la secte ces derniers mois, mais ne bénéficiait pas de protection particulière. Affaire à suivre. Si la valeur n'attend pas le nombre des années, elle peut aussi durer, se prolonger ad vitam aeternam. Certes, le temps ne fait rien à l'affaire, et enchaîner les citations et les lieux communs ne fera pas de ce texte du Racine, ni même du Vialat, à peine du Guy Descartes en soins palliatifs en pleine descente de camomille. Et justement, le sujet qui nous réunit aujourd'hui a tout à voir avec le troisième et même le quatrième âge, car oui, à l'instar de Perceval, je nourris en plus des ivrognes une fascination inquiétante pour les vieux. Qui a bu boira et qui a voué au dieu Mornifle, un culte pratiquant ne manquera pas de moucher son prochain dès que l'occasion se présentera. Pour avoir, dans mes vertes années, pratiqué la soupe de phalange populaire pour nécessiteux qui ne manquaient pas, j'atteste de l'ivresse de la bonne vieille mêlée et du plaisir sadomasochiste de balancer des châtaignes et d'en prendre en retour. Oui, je le confesse, mon Dieu, quel mot admirable, je fus un adolescent, un jeune homme et un homme porté sur la castagne et avoue partir au quart de tour quand l'occasion se présente. Mais à culpa. Mais à mon âge, ça va encore. Par contre, ce n'est pas forcément le cas de nos deux protagonistes du jour. Ah ! Miyoshi Kozo, 93 ans et ancien ouvrier du bâtiment, n'est pas homme à se laisser marcher sur les rouleaux sans enclencher la force de dissuasion. Sa vie durant, il a fait respecter son autorité sur les chantiers, élevé trois enfants dans la droiture et le respect des lois, et pris soin de sa femme jusqu'aux portes de la mort. Mais la vie n'étant pas exempte de paradoxes révoltants, c'est à l'âge où l'homme devient sage qu'il lui faut tirer sa révérence et laisser la place à des petits foutriqués sans tripe. Mais je m'égare sur la place du voisin. Ah, et on entre dans les blagues avec accent mauvais signe. Monsieur Miyoshi donc, disais-je, avant d'être interrompu par la partie la moins drôle et respectueuse de mon être, attendait la fin, rongeait des voitures et des parpaings au chaud dans la flanelle et les tisanes diurétiques. Célibataire pour l'éternité, il ne lui fallait plus se plier aux contingences de la vie de couple et sacrifier un bon vieux western à un talk show sur les jus détox et chaque jour, immolant son cerveau dans la lutte pour tuer le temps avant la mort, il avalait des kilomètres de pellicules sur la chaîne cinéma que sa pension lui permettait de se payer. Homme de goût et se disant que mourir de ça ou d'autre chose ne ferait sans doute pas la différence, il avait repris le tabac et la chopine après des années de sage sobriété et passait ses journées devant des classiques du vrai cinéma en tétant du shochu de conscrits et des clopes de maçons aux grandes dames des soignantes qui ne le trouvaient décidément pas raisonnable, comme si la raison avait quelque chose à voir avec le plaisir. Mais voilà, comme les bonnes choses ont forcément une fin, ce matin de novembre apporta son lot de malheurs sous les traits d'un oiseau du même nom, un pisse-vinaigre buveur d'eau, un gamin de 85 ans allergique au plaisir et délateur zélé, comme tous les rabat-joie. Assigné d'office dans la chambrée sans autre forme de procès, le jeune Godelureau entama les festivités et fit vite remarquer à notre jouisseur en fin de parcours que le son de son téléviseur était trop fort, puis que les 12 effluves de son tabac brun lui défrisaient les poils du nez avant de le balancer à la mer supérieure pour importation illégale de gnôle dans ce lieu de repos de l'âme et du foie. De porte du paradis, l'EHPAD de la dernière chance se transforma en antichambre de l'enfer et bientôt, il se retrouva privé de son ratafia, de ses sèches, et l'on vint chaque soir lui débrancher sa télévision à l'heure où les poules vont se laver les dents. C'en fut trop pour le contremaître Miyoshi. N'écoutant que son instinct de survie, il profita de la pénombre pour se glisser jusqu'à la couche de l'informe, et après lui avoir collé son poing dans le museau, légitime, attrapa son cou de poulet entre ses mains et lui serra le kiki.
Le corbeau ne dut son salut qu'à l'entrée inopinée d'une infirmière en mal d'injection qui maîtrisa le laborieux assassin et sauva la vie de la balance. Remis entre les mains de la justice des hommes, Miyoshi a été mis en examen et pas de conscience celui-là pour tentative de meurtre sur personne vulnérable et risque la perpétuité si le pisse-roi succombe à ses blessures. Eu égard à son grand âge, Miyoshi a été laissé en liberté surveillée en attendant son procès qui n'aura peut-être jamais lieu. Moralité, arrêtez de m'emmerder. Oui, je sais, ça n'a aucun rapport, c'était juste un petit message pour monsieur YouTube qui commence à me plaire, c'est là parce que, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai piqué ton goûter, j'ai... Hein? Quoi ma chérie, mes cachets? Oui, je vais les prendre. Ok, je pose ce marteau et j'arrive ma biche. Bonsoir cher public de Satsujin, je suis Enyok et j'aimerais vous présenter ma petite chaîne YouTube, bien qu'elle fasse peut-être un petit peu hors sujet, donc vraiment ne vous sentez pas forcé d'aller voir si ça ne vous parle pas. Mon truc c'est la musique, disons extrême, ça va du métal des années 80 au death metal bien caverneux, en passant par le hardcore beatdown le plus teubé et violent, ainsi qu'aussi la musique expérimentale. Extrême à sa façon comme le Molsoft ou la Noise. Je vois un petit peu ma chaîne comme un fanzine numérique. J'essaie d'être assez régulier avec des formats bien distincts comme les achats compulsifs où je montre mes dernières acquisitions, souvent issues de concerts dans des caves bien miteuses mais toujours accueillantes, ou des bonnes affaires dans des caches ou des trucs comme ça, ou même sur internet. Tout l'intérêt de cette chaîne en fait c'est plus le partage de petits groupes, des scènes locales underground originaires d'un peu tous les pays. J'ai un format consacré à ça, les géométal. Mais il m'arrive aussi de faire des vidéos sur des thématiques bien précises, ou sur des groupes qui me tiennent à cœur. Voilà, comme par exemple le post-rock ou même les femmes dans le hardcore. Si vous pensez que ça peut vous plaire, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne pour échanger tous ensemble. Ouais ben je vais pas vous retenir plus longtemps, merci beaucoup Alexandre pour la pub. Matane. Et voilà, cette 67e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous réservez à mes vlogs, j'espère que je resterai à la hauteur de vos attentes. Je voulais remercier Noctis Miaou, Julia, LM236, Geoffroy Hernandez et les tipeurs anonymes qui m'aident beaucoup en ce moment. Je vous aime les amis, j'en ai autant pour Benji sur Utip qui est mon seul utipeur mais fidèle et je l'en remercie. Ok. Je réajuste mon habit de lumière et on y va. Tout d'abord, je vous rappelle que je suis toujours en quête de financement pour mon projet de documentaire Bloody Tokyo qui, depuis le mois de septembre, en est à 2% du financement. On est loin des 10 000% de Nota Bene pour ces puzzles. Oui, pas bon. Je vous rappelle que ce projet documentaire est prêt, mais que je ne pourrai pas le financer tout seul. YouTube me coûte déjà assez d'argent, que je n'ai plus, enfin de moins en moins chaque mois, qu'il mettra en scène des acteurs de la vie criminelle, policière et judiciaire qui ont été en première ligne de grandes affaires criminelles et que leur témoignage est unique et pour certains tombera bientôt dans l'oubli. D'ailleurs, Sagawa Issei ne pourra plus être comme c'était prévu dans mon documentaire, mais voilà. Un tournage pro, ça a un coût très élevé. Pour ce qui est du matériel, de la location des lieux de tournage, tourner dans certains lieux de Tokyo, eh bien ce n'est pas gratuit, et de la rémunération de certains intervenants. Pour exemple, l'ancienne avocate de Kato Tomohiro me demande 3 000 € pour être interviewé et me montrer des documents de l'instruction. Voilà. Je vais mettre 12 000 € de ma poche, mais cela est bien peu. Une chaîne de télévision financera une partie, mais il faut pour cela que j'ai une mise de 22 000 € pour qu'ils mettent les 18 000 manquants. Voilà. Sans vous, ce projet ne verra jamais le jour et je pense que ce serait dommage. Voilà, j'arrête de chouiner. Allez, mon nouveau livre sort dans quelques semaines et oui, vous pouvez le précommander en utilisant le lien sous la vidéo. En plus d'une dédicace, vous recevrez une sérigraphie numérotée et signée et des tas de petits cadeaux chouettes.
Alors voilà, vous savez comment m'aider maintenant, et si vous ne pouvez pas vous le permettre, ce qui est bien normal, pensez à vous abonner, à commenter, à partager mes contenus, s'il vous plaise. C'est extrêmement important pour la santé de la chaîne et sa vie même, et pour ma santé mentale aussi un peu. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, j'y suis assez présent et y poste régulièrement des photos de compagnols. C'est mignon, les compagnols. Allez, je vous laisse, je dois aller réparer l'électricité. Matanée.